Dans le monde, on les compte par milliers, ces hommes et femmes dévoués à l'action du volontariat, menant chacun dans son domaine de prédilection des actions beaucoup plus sociales et humaines. Ce 5 décembre, la communauté des volontaires du Gabon a célébré la Journée mondiale du volontariat à l'Institut français du Gabon. Et parmi les convives, le représentant sous-régional de l'OIF. Notre système de volontariat, c'est que c'est du donner, du recevoir. Les jeunes qui sont là nous apportent, puisque ce sont des jeunes professionnels, donc qui ont un savoir-faire, qui vendent quelque chose. Et à chaque fois qu'ils partent, nous voyons bien que nous avons quelques problèmes pour remplacer ce qu'il faisait. Le secrétaire général du ministère des Sports et de la Jeunesse a pour sa part fixé les objectifs escomptés au Gabon. La Journée internationale des volontaires célèbre la prise en compte de tous pour un développement harmonieux et concerté, cher à son Excellence Monsieur le Président de la République, à travers le thème choisi. Il s'agit surtout de louer les efforts des jeunes dans leur volonté de participer à la mise en œuvre des ODD et de donner leur avis sur les problèmes qui les concernent. Volontaire qu'il est et qui ne l'est pas, quel est son champ de compétences? Le volontariat est à dissocier du bénévolat. Le volontariat, lui, il est assez bien régulé. Il est cadré, surtout le volontariat institutionnel. Mais cette année, nous avons tenu à marquer aussi également le volontariat sur le plan local. C'est-à-dire qu'il y a des ONG, il y a des organisations de jeunesse dans lesquelles les jeunes sont insérés, sont intégrés et travaillent comme volontaires. Projection de films relatant l'action des volontaires dans le monde, exposition des stands et démonstration de processus de fabrication de pavés avec les déchets ont ponctué la célébration.